Tenez-vous prêts, maintenant! Constaté, moi, Uragiri, j'ai demandé à tous les joueurs du Japon de venir attaquer Nakama. Et pour l'heure, il n'est pas un seul de ces malheureux qui ait réussi à parer notre nouvelle technique défensive. Abruti. Rien ne peut résister à la discipline de Nakama, à leur dévouement, leur investissement. La Super League, c'est un jeu d'enfant pour nous. Vous croyez qu'Uragiri prépare quelque chose? Tu crois qu'il a changé? Uragiri était coutumier des tactiques déloyales jusqu'à présent, mais cette fois... c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux qui nous attend. Une défense parfaite. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause one, two, Super Striker! Striker! Super Strikers! Super Strikers! La discipline, le dévouement et l'investissement. Et la pluie glaciale. Coach, j'ai horreur de m'entraîner sous la pluie. Quand est-ce qu'on travaillera des techniques d'attaque, coach? Ouais, les Super Strikers, c'est avant tout de l'instinct et du style. Pas cette fois. Le seul moyen pour nous de vaincre les Nakama, c'est d'appliquer nous aussi leur discipline. Ce qui veut dire... s'entraîner collectivement. Manger collectivement. Se détendre collectivement. Pas à gauche! À droite! À droite! Et faut surtout pas oublier de faire la nouba collectivement, hein, les gars? Où est-ce que vous croyez aller comme ça? Une galerie marchande complètement délirante en sous-sol. Genre, juste sous nos pieds, quoi. Avec les meilleures boutiques! Il y a carrément 3 étages. Et sans doute le plus important de tout, le meilleur salon de coiffure au monde! Cette coiffure est un véritable attentat contre mon style. Le seul endroit où vous irez aujourd'hui, c'est droit dans vos chambres. Quoi? Mais j'ai promis à ma tante Hilda que je lui rapporterai un souvenir de Tokyo. Vous croyez réellement qu'Uragiri laisse les Nakama sortir la veille d'un match? Je ne crois pas, moi. Je sais bien que c'est dur, les gars. Mais nous devons faire confiance au coach. Il fait tout pour que nous puissions vaincre les Nakama. Rasta a raison, mec. Le coach se concentre à 100% sur les Nakama. Et je crois que ça me donne une idée. Oui, oui, parfait. Sensei. Miko, ne me surprends pas de cette manière. Que cherchez-vous à faire? Vous savez que je veux battre les Super Strikers grâce à un travail acharné. Et uniquement grâce à ça. Ah, cette fois, je n'aurai pas besoin de tricher. Notre défense est totalement invincible. Dans ce cas, qu'êtes-vous en train de faire? J'écris une lettre de condoléance pour leur coach. Cher coach, une deuxième place, ce n'est pas si mal. Hormis s'il n'y a que 2 équipes. Vous êtes nuls. Bisous, Uragiri. Alors, qu'en penses-tu, dis-moi? Vous avez tort de sous-estimer les Super Strikers. Ce sont des adversaires redoutables. Ils n'ont pas la discipline qu'il faut pour forcer notre défense.
Et c'est la raison pour laquelle je dois trouver un moyen d'occuper mon temps. Ou bien peut-être préférerais-tu que je m'occupe à ourdir un plan diabolique? Non, non, je crois qu'en fait, c'est bien mieux comme ça. Enfin, j'imagine. Bien, si tu veux bien m'excuser. Il y a quelques affaires importantes dont je dois aller m'occuper. J'ai réservé une grosse surprise à notre ami Coach. Tante Hilda, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu vas voir un peu, Uragiri. Hein? Qui est là? Stop! Ah. Je peux savoir où vous allez les... On est... somnambule, c'est tout. Ah, ouais. Oh, oh, oui. Ok, tu nous as démasqués. Mais j'ai besoin d'un peu d'oxygène, tu comprends? C'est vrai, manger collectivement, dormir collectivement, il y a un petit peu trop de collectivement à mon goût, tu vois. On va juste faire un saut à la galerie marchande le temps d'une heure. C'est pas la mort, quand même. T'es saoulé, les amis. Mais le coach a dit qu'on te fait rester collectif. Alors je suis obligé de vous accompagner. Voilà une surprise idéale pour le coach. Une coupe en forme de toilette qu'on leur remettra quand on les vaincra. Oh non! Vraiment extra, ce salon de coiffure. S'il m'aperçoit, la surprise sera gâchée. Oh, waouh! Ces temps de froid est incroyable! Ce qui est vraiment incroyable, c'est ma crinière. Et t'as vu ça? Ce masque de monstre-là, tu trouves pas qu'il ressemble à Uragiri? En tout cas, il est clairement aussi moche que lui. Oh, Tante Hilda va l'adorer! Tu crois pas que t'as assez de souvenirs? Nein! Tout ce que j'ai, c'est ces morceaux de fromage gonflable! Un jeu de société, un plan du centre commercial, ses lunettes à caméra incorporées et ses super lacets jaunes fluo pour moi! C'est vraiment les gadgets les plus inutiles qui puissent exister! Nein, c'est pas vrai! Chut! Baissez d'un ton, les gars! On n'a pas vraiment envie que quelqu'un nous reconnaisse! Ya! Yeah. Si le coach apprend qu'on a fait le mieux, on est mort! Oh! Il est plus là! Qui va à la chasse perd son masque! Ya! Yeah. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on se moquait d'Uragiri! Hey, tout le monde, vous avez vu? C'est les Super Strikers! On est fichu, c'est pas encore joué. Le plan du centre dit que cette porte nous conduit à la surface. T'en es sûr? De toute façon, c'est ça où affronter le coach demain quand il verra nos photos dans les journaux. Et moi qui croyais que ce cadeau immonde ferait perdre ses nerfs au coach. Attendons simplement qu'il est bon de cette histoire. Tenez, attrapez ça. Oui, oui, parfait. Peut-être que je devrais faire une petite pause. Waouh! C'est quoi cet endroit? Oh, c'est de la folie! Attendez! Oh, je crois que j'ai une idée géniale! Avec ça, je vais faire la meilleure vidéo des vacances! Où est-ce qu'on est? Klaus, passe-moi le plan, tu veux? D'accord. Mais c'est pas un plan, c'est le plateau de serpent et échelle. Eh ben, c'est que ça se ressemble beaucoup. Waouh! Ce plan est encore moins clair que serpent et échelle. Tout ce que je voulais, c'était être bien coiffé pour le match, et maintenant, voilà qu'on se retrouve coincé ici. Oh, on aurait dû écouter ce que nous a dit le coach. Dans une galerie marchande, y'a quoi dans les sols qu'on voit ça? Mais je veux adorer! Dormez bien. Vous allez en avoir besoin. J'ai besoin de repos, moi aussi. Attendez, Hilda ne pourra jamais voir ce que je vais acheter. Klaus, mais bien sûr, les fromages gonflables.
Il suffit de tirer sur la corde et... Pourquoi est-ce que j'ai choisi le fromage suisse? Attrape ma jambe! Pauvre Klaus! Tout ce qui reste de lui, c'est ses lacets ridicules! El Matador, il les a toujours au pied! Oh, c'est vrai! Hey, Klaus! On dirait bien que ces gadgets ridicules auraient été plus utiles que ce que je pensais! On a réussi! Oh! Ah, mais apparemment, on n'est pas les seuls. Les pigeons terrestres! Je déteste les pigeons terrestres! Restons calmes. Rassurez-vous, ils nous laisseront tranquilles, sauf si on leur donne une bonne raison de... Pas touché! C'est le fromage de ma tante Hilda! Envoie-le-moi! Klaus, lâche le fromage! Là, il est pour ma tante Hilda! La prochaine fois que le coach impose un couvre-feu, surtout, rappelle-moi de le respecter. Ouais. Faire du shopping, c'est vraiment devenu trop dangereux de nos jours. Ah, je suis lessivé. Au moins, personne ne sait qu'on est sorti. Ce serait bien que ça continue comme ça. Hey, mon film de vacances. Et c'est la seule preuve de notre petite escapade aussi. Bon, et maintenant, si on ne dort pas un petit peu, les Nakama nous achèveront. Et le coach terminera sûrement le travail. Dormir. Allez, on se lève, les Super Strikers. Il est l'heure de montrer aux Nakama ce qu'on a dans le ventre. Un ciel de rage assombrit le ciel au-dessus du Gashoku Stadium. C'est un décor dramatique pour un combat épique de football. La défense des Nakama est plus serrée qu'un couvercle de peau de cornichon. Mais si une équipe peut parvenir à l'ouvrir, c'est bien les Super Strikers. Ah, mais les hommes en rouge vont devoir être au top de leur forme pour s'apprêter là. Le coach les laisse quand même jouer malgré leur insubordination manifeste. Cette équipe ignore la discipline. Ou alors... il n'est pas au courant. Tokyo est une ville hors de prix, les Super Strikers. Et votre petite virée shopping va vous coûter très cher. Et c'est parti! Enfin, il semblerait que Shex et El Matador ne s'en soient pas encore rendu compte. Passe le ballon, man! À quel jeu jouez-vous, Uragiri? Vous n'avez qu'à ouvrir le message et vous le découvrirez par vous-même. Je ne me laisserai pas avoir. Vos coups tordus, vous pouvez vous les garder. Mais enfin, vos joueurs... Zéro, la seule chose qui m'intéresse pour l'heure, c'est de percer votre défense. Nakama récupère le ballon. Et les Super Strikers le récupèrent. Nakama l'intercepte à nouveau. Et les Strikers leur rendent la politesse. Nakama. Super Striker. Nakama. Super Striker. Oh, j'ai l'impression de commenter du tennis aujourd'hui, Panda. Pourquoi sont-ils déjà si fatigués? On commence ils ont sans doute un peu trop d'activité extra-professionnelle, coach. Vous en savez quoi? Seulement ce que j'ai vu sur le message. Mais vous n'avez qu'à y jeter un petit coup d'œil et vous verrez par vous-même. Ne rêvez pas, Uragiri. C'est un match extrêmement serré auquel nous assistons jusqu'ici. Mais à présent, Nakama commence à prendre l'ascendant. Et la mollesse des attaquants chez les Strikers n'est pas pour aider. Ils seraient bien plus avisés de rester en arrière en défense. Oui, surtout face à une équipe aussi bien organisée que les Nakama. Regarde le boulevard qu'ils ont pour passer à l'offensive. Et quel tir! Oh là là, et Big Bo défie les lois de la gravité pour tenter de conserver le score tel qu'il est. Les Nakama sont carrément en train de nous laminer. Et c'est entièrement ma faute. Les Strikers essayent de prendre les Nakama à leur propre jeu. Malheureusement, c'est un échec. À moins que les attaquants aillent renforcer la défense, les hommes du coach risquent de se faire complètement déborder. Shex, El Matador, Klaus,
Vous n'avez donc pas compris le mot que j'ai prononcé à l'entraînement? Où est la discipline? Les Super Strikers n'épatent pas la galerie aujourd'hui. Mais ils épataient la galerie marchande hier soir. Que voulez-vous à la fin, Ouragiri? Oh, ouvrez votre message. Ensuite, on pourra causer boutique. Notamment de celle où j'ai vu vos joueurs hier. C'est fou ce que je suis doué. Tu veux qu'on fasse quoi? Si on s'obstine à continuer comme ça, on va perdre. C'est une certitude. Mais le coach va devenir complètement dingue. Qui sait ce qu'il va pouvoir nous faire si on le lui dit? Je regrette, les gars, mais on n'a pas d'autre choix. C'est le match qui en dépend. Hein? Coach! Que se passe-t-il, Shakes? Voilà, il faut que je vous dise que... En quel point vous êtes élégant? C'est un nouveau costume ou vous êtes allé chez le coiffeur? Non, rien à voir. Ce que je voulais dire, c'est que... Oh, à quel point on est heureux d'appartenir à une équipe comme les Super Strikers. Oh, c'est vrai, j'en suis vraiment très fier. Ça suffit. Asseyez-vous. Et plus un mot. Les choses se passent extrêmement mal dehors et je sais qui en est responsable. Moi. Quoi? Et on allait s'en sortir. Après toi, Shakes. Klaus, El Matador et moi sommes trop fatigués pour s'en tenir à notre tactique, parce qu'on était dehors toute la nuit. Alors, je comprends mieux de quoi Ouragiri voulait parler. Avant un match aussi important? Mais à quoi est-ce que vous pensiez, les mecs? Totalement pas cool, les gars. Mais ce n'était pas non. notre faute. On voulait simplement sortir une petite heure. Mais on a soudain été pourchassés par des fans hystériques dans ces immenses tunnels souterrains. Et on a échappé à la noyade grâce à nos Et fromages. On s'est fait attaquer par des rats d'égout. Oh, c'est la plus bidon des excuses que j'ai jamais entendue. Ouais, elle est au moins aussi nulle que vos performances d'aujourd'hui. Vraiment très drôle, les gars. Je peux le prouver. Kva, je dois rapporter quelque chose à la tante Hilda. Mais je Eh bien, ça peut paraître étrange, mais ils disent la vérité. Ce que vous avez fait était parfaitement irresponsable et totalement non professionnel. Et le pire de tout, c'est que c'est ma faute. J'étais tellement obnubilé par la stratégie d'Ouragiri que je n'ai pas vu que jouer leur partition défensive n'était pas dans les habitudes des Super Strikers. Peut-être que si j'avais fait confiance à notre style porté sur l'attaque, vous n'auriez jamais fait ça. À présent, tout ce qui compte, c'est de tout faire pour remporter ce match. Non, coach? Oui, bien sûr. Allez, les gars, allons vite sur le terrain pour remporter une victoire de plus à la manière des Super Strikers. Comment est-ce possible? Et Victor parvient une nouvelle fois à contrer une attaque des Nakama. Le gardien des Super Strikers aura à lui seul permis à son équipe de rester dans la course aujourd'hui. Bon coach, je vous ai trouvé un petit cadeau au centre commercial. Et vous ne devinerez jamais qui j'ai croisé là-bas. Allez, les gars, c'est l'occasion jamais de remettre les choses en ordre. À présent, ça ressemble un peu plus au jeu des Strikers. Très belle interaction entre les trois attaquants. Mais cette action suffira-t-elle à faire sauter le verrou? Shakes doit absolument marquer. La défense Nakama, lui, éclate la porte au nez. Même la puissance de feu des Super Strikers ne suffit pas pour percer cette défense. Il semblerait bien que le coach sollicite un remplacement. Ça ne me surprend pas vraiment, Brenda. Shakes, Klaus et El Matador n'ont pas vraiment brillé aujourd'hui, disons-le. Désolé, coach. Les remplaçants feront du meilleur travail. Ouais. Sincèrement, on sera bien mieux assis sur le banc, là où il fait chaud et sec. C'est pas vous que je remplace. Quoi? J'ai trop besoin de vous, les gars, pour mon tout nouveau plan de jeu. Ça a l'air chaud. C'est risqué. C'est totalement louvre dingo, ouais. C'est parfait. Nous approchons du coup de sifflet final et chose hautement incroyable, le score n'a toujours pas bougé. Mais la partie n'est pas terminée, Mac. Les ultimes minutes sont toujours les plus intenses. Et les Super Strikers lancent leur assaut final. Ça ressemble davantage à un ballet de danse contemporaine pour moi, Quoi Brenda. Quoi que ça puisse être, ça fonctionne. Les Nakama semblent ne pas pouvoir gérer ces manœuvres brouillonnes. Mais faites quelque chose, incapable! Où est passée cette fameuse discipline si chère au Nakama, dis-moi, Ouragiri? Ah,
Je ne vais pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Alors il est temps d'en finir, maintenant. Ah, je ne vais pas pouvoir, je suis trop fatigué. Mais moi, j'ai toute l'énergie nécessaire. Et quel but ! Ouais ! Kevin comprend bien. Comment êtes-vous parvenu à anéantir ma défense ? J'ai appris une nouvelle technique. Vous n'en aviez sans doute jamais entendu parler. C'est un secret profondément enfoui. Fallait voir sa tête. Gagner grâce aux égouts, les mecs, c'est dingue. Beau travail, messieurs. Vous pouvez être fiers. Détendez-vous et amusez-vous à loisir. Mais modérément quand même. Trop tard, coach. C'est pas vrai. J'arriverai jamais à retirer ça de mes cheveux.